comme il a fait de le dire, surpris de la grande présence massive, je dirais, de des reporters de la ville, quoique certains n'aient pas eu l'invitation. Je dirais que ça relève, n'est-ce pas, de la qualité d'un ressembleur qu'il est. Celui-là qui a pensé à rendre facile la tâche aux reporters de la ville, de Douala, et en général des reporters du Cameroun. Monsieur le directeur, vous n'allez vraiment pas être surpris, mais avec dans la présence de tous ces gens, est-ce que vous allez vous mettre à leur apporter ce soutien tel que vous avez commencé depuis ce matin? C'est vrai, j'ai pensé à ça, mais je vous dirais que je réserve même des surprises. Je voudrais seulement que tout le monde soit servi. Je réserve des surprises puisque je ne vous ai même pas encore présenté à la maison. J'ai des cadeaux surprises pour vous. Des cadeaux qui sont venus directement de Washington et de la maison mère à Los Angeles où nous avons vu des appareils. Et puis je me réserve de vous dire cette surprise avant que vous soyez ici. Mon problème, c'est de vous mettre à l'aise d'abord avant de parler des surprises. Merci, monsieur le directeur. Déjà, la surprise qui se voit déjà, c'est des machines hyper rapides qui sont là, installées. Monsieur le directeur, je voudrais que vous levez votre main, n'est-ce pas, signe d'union pour rehausser l'éclat de ce laboratoire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vous en prie, je vous vois avec le sourire au cours de l'hôtel. Qu'est-ce qui vous donne un si grand sourire? Ça vaut la peine. En ce qui concerne mon sourire, c'est parce que je suis très fière de ce que mon oncle a fait, de ce que Groupe Joy a fait pour sa famille et pour lui-même aussi. Et déjà, vous voyez, vous constatez la présence massive des reporters de la ville de Douala. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? Et en retour, quels mots vous leur adressez? Alors, je leur souhaite la bienvenue. Et c'est tout. Déjà, en tant que membre, je dirais, équipe dirigeante de la maison, quel est votre rapport, n'est-ce pas, pour mettre à l'aise ces reporters qui viennent en masse et qui sollicitent, n'est-ce pas, vos services? Ah, je préfère les mettre à l'aise en donnant de la place et leur donner à manger. Merci, c'était dans le mot d'une femme réfléchie et engagée en même temps parce qu'elle est aujourd'hui en train de vivre ce jour particulier et donner un mot par rapport à la fête. Merci. Et la surprise. Ah, ça viendra de la chute. Ok, merci madame. Excusez-moi de la surprise. Vous, en tant que, n'est-ce pas, on dit derrière un homme se cache une dame. Voilà donc vous qui êtes, n'est-ce pas, la femme à monsieur le directeur qui ouvre les portes du laboratoire photo royal. Quelles sont vos impressions pour ce jour particulier? Avec ce sourire et ces reporters que vous voyez nombreux autour de vous, qu'est-ce que ça vous dit et quel mot d'invitation, n'est-ce pas, vous leur apportez afin qu'ils puissent vous rendre autant cette visite qui commence aujourd'hui? Je leur souhaite juste la bienvenue parmi nous et j'espère que ça va continuer. C'est pas pour ce jour seulement qu'ils vont limiter le travail, la visite. C'est plutôt une dame concise et précise et très souriante et nous comprenons madame, bien tu vois l'émotion est au rendez-vous. Tout à fait. Oui. Nous allons lui laisser le temps de s'occuper de ses clients et regarder les jolies mains, n'est-ce pas, qu'elle a mis ici à tous ses reporters, à tous ses invités qui sont venus de masse en masse, partout d'ailleurs, de tous les différents angles de la ville de Douala. Et nos chers papas qui sont venus de très loin d'ailleurs
de vivre en même temps cette ouverture du laboratoire Photo Royal. Et un mot à laisser à l'équipe, n'est-ce pas, aux reporters qui sont ici. J'estime que le moment n'est pas pour oui. C'est vrai, oui. Maman. C'est vrai. Ça peut être très fort. Bon appétit. Puisqu'ils sont en train de. Mettre toute votre énergie, n'est-ce pas, pour servir ces reporters que vous avez appelés. Et quelles sont vos impressions pour l'ouverture de ce laboratoire photo royal? De se bien passer. Donc, je souhaite bonne chance à monsieur Joya et mon papa. Et envers, je dirais, par rapport à vos reporters qui sont, n'est-ce pas, vos invités, quel mot d'invitation vous leur apportez? Merci. Merci d'avoir nous assisté. Et que dans les prochains jours, qu'ils puissent solliciter vos services. Justement. Bon travail, madame. Que je dirais secrétaire et caissière de ce grand laboratoire qui ouvre nouvellement. Est-ce que vous êtes mieux préparée, madame, pour affronter, n'est-ce pas, les servir au maximum cette masse des reporters de la ville qui attendent de vous? Je me suis bien préparée. Et puis, peut-être que vous posez même la question depuis hier, qui font la personne est déçue, tout le monde est satisfait. Et déjà, quel mot d'invitation vous leur adressez? Les invités à venir nombreux comme ils ont fait là à partir depuis hier là et ils essayent de nous forcer sans rien on ne peut rien. Et quel comportement vous attendez d'eux pour être prête, comme on dit parfois, aidez-nous à vous aider? Moi d'abord la fidélité, c'est le plus grand secret pour nous. S'ils peuvent vraiment être fidèles à nous parce qu'on doit tout faire pour les satisfaire, ça va m'arranger. C'est vrai, la fidélité, être fidèle, à solliciter toujours vos services. Et en plus, vous qui êtes mieux préparé déjà, avec des machines très rapides, des machines très performantes, quel mot de fin, madame? Le mot de fin. Le mot de fin, je ne peux que dire que je compte sur vous. Merci. Je compte sur les photographes. Bon courage. Nous sommes donc ici en face de la famille royale, n'est-ce pas, qui est ici en train d'apporter leur soutien aux photographes reporters d'Image de Douala. Vous voyez la tenue, les tenues font et nous rappellent, n'est-ce pas, ces jolies dames qui sont venues là, au pays Bamoun. Vous voyez donc comment la royauté est en train de régner dans ce laboratoire photo royal. Et c'est pour dire que nous avons plutôt affaire à des images très très nobles. Vous voyez donc, mesdames, messieurs, que le laboratoire photo royal n'a pas choisi ce nom au hasard, mais c'est pour apporter, n'est-ce pas, une explication à ce dont il est en train de vouloir apporter aux photographes, c'est-à-dire la qualité supérieure.
Mesdames, messieurs, je ne vous je ne manquerai pas, n'est-ce pas, de vous signaler que il y a suffisamment à manger et à boire ici. Le groupe Joya a mis du paquet, n'est-ce pas, pour que même le ventre le plus creux n'ait pas besoin à s'ennuyer. Nous allons donc bientôt là vivre un événement très très particulier avec l'ouverture du champagne par monsieur le directeur du laboratoire. Voilà.
Et comme on le dit, derrière une dame, un homme se trouve une dame. Voilà donc le couple mythique. Les rites des pays bamoun.
pourront vraiment pas me démentir. Il y a eu suffisamment à manger et à boire. Même le ventre le plus creux, mesdames, messieurs, n'a pas eu besoin à se déranger. Car le groupe mythique le directeur a mis le paquet. Aussi pour dire, la famille et le groupe Joya a mis du paquet d'espace. Avec la famille royale, nous sommes là en face des nobles des pays Bamoun. Les nobles dents du pays Bamoun qui sont ici installés autour de cette table d'honneur, là même où l'idée de créer le laboratoire photo royal est né. Nous allons aller vers nos papas qui sont ici installés et prendre, n'est-ce pas, un de nos patriarches qui doit donner ses impressions pour cette journée particulière qui marque, n'est-ce pas, la soirée, l'ouverture de du laboratoire photo royal. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Bonsoir monsieur. Merci, je suis très heureux de constater que vous exprimez très bien en français. Oui, oui. Et je voudrais en même temps, papa, n'est-ce pas, vous donner cet honneur que vous méritez. Oui, oui. En tant que père du directeur, n'est-ce pas, de ce laboratoire photo royal. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants qui sont venus ici nombreux pour vous encourager par rapport à cette initiative? Voilà, merci beaucoup. Joya, je suis Ibrahim, le père héritier du directeur général de ce laboratoire. On vient nouvellement installé. Voilà, à la capitale économique. Bon, ce que je puis très très bien dire, c'est vous, les photographes, à qui je dois beaucoup vous remercier. Puisqu'il n'y a rien sans trace, il n'y a rien qui peut être bon sans trace. Si toutefois, même les fêtes, vous seriez très très bien passé comme quoi, si vous ne seriez pas là pour tout prendre, pour tout retenir, on n'aurait rien fait. C'est à vous, premièrement, que je dois beaucoup remercier, parce que c'est vous qui aviez encouragé ces manifestations. Parole d'un père comblé, parole d'un papa très assuré et très réfléchi en même temps. Papa, vous avez mis beaucoup d'argent pour avoir ces appareils qui sont ici dedans. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez en retour aux photographes de la ville? Parce que vous leur permettez de travailler facilement. Oui, exactement. Pour ce début de troisième millénaire, voilà, qui est un siècle de vitesse. Et vous battez déjà cette vitesse, voilà, avec ces laboratoires très sophistiqués qui, en 8 minutes, vous avez développé un cliché. Et en 5 minutes seulement, c'est-à-dire la totalité de 13 minutes, vous donnez une photo propre et claire à un photographe. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, papa? Ça me fait tellement très très plaisir. Bon, le nouvel appareil que je viens d'envoyer au parent. Bon, je pense très très bien que si, alors nos agents, ces agents auront la bonne foi, ils pourront faire réussir pour eux-mêmes. Pour le patron. Parce qu'entre eux, les deux, le patron et les employés, ce sont les bons promoteurs de ce travail. S'ils n'auront pas donné ça, ils ne donneront pas satisfaction à ce travail, bon, ils perdraient. Ce que je souhaite, s'ils peuvent pouvoir faire marcher ça, c'est la bonne collaboration et l'entente avec le directeur actuel. Président, voilà. Merci papa. Voilà que vous êtes en train de le préciser. Oui. Autant les deux parties vont s'entraider. Voilà. C'est donc l'occasion pour ce papa de nous prouver, n'est-ce pas, l'union qui doit désormais exister entre le patron et les photographes et qui doivent se respecter mutuellement, oui, afin de rehausser l'éclat de ce laboratoire, oui, photo royal. Voilà. Papa, oui, vous dites, on dit parfois tel père, tel fils. C'est pas tant de vous que le fils a eu des idées, n'est-ce pas, oui,
afin de mettre sur pied un laboratoire photo. Et aujourd'hui, papa, est-ce que vous allez continuer en tant que père à lui apporter ce secours, ces conseils, afin qu'il puisse maintenir au maximum cette lourde tâche qu'il porte aujourd'hui face aux Camerounais, face aux reporters de Douala? Merci beaucoup. Voilà, moi, en tant que père, comme un fils, si un fils connaît son père, le père doit le faire. Si en partant ailleurs, il a fait beaucoup de choses. S'il ne songeait plus qu'il avait un père, juste nous sommes mariés, et qu'il vit au pays des blancs, il ne pourrait pas nous faire associer dans ses activités. Bon, dans la vie actuelle, ce sont les bonheurs paternels, des aïeux, de ceux qui ont hérité comme nous, qui font réussir, qui font progresser les enfants. C'est pourquoi, bon, à l'idée des aïeux et des miens, nous ne pouvions que lui dire que le bon Dieu lui ouvre toute chance de réussir, tant avec ses responsables ici, aux employés. Ils pourront tellement réussir. D'ici là, connu là, d'où il venait, il va arriver là où il veut. Parole d'un papa rassuré, parole d'un papa comblé. Ce papa qui, n'est-ce pas, a toujours entretenu son fils et qui nous promet, n'est-ce pas, ici, de lui apporter ce réconfort possible. Voilà, papa, tous ces éminents, tous ces gens, tous ces nobles venant de pays Bamoun, oui. Toutes ces sonorités que nous entendons, oui. Et qui nous rappellent, n'est-ce pas, les folklores du pays Bamoun, et qui est venu avec tout ce mensonge. Est-ce que vous pensez que ce troisième millénaire sera un millénaire de succès pour le laboratoire photo royal? Oui, ça sera une année de réussite, de chance et de progrès. Parce que partant d'une invitation qu'on voit la fin de l'invitation. Si les gens ne venaient pas nombreux, il n'y ait la nourriture qu'on pourrait les apporter. Comme ils sont venus très très nombreux et contents, en même temps, pour voir ouvrir par l'un de leurs frères un laboratoire pareil. Je pense très très bien que ce sont ces manifestants qui au plus tard sont les encourageants. Parce que lui il va comprendre tout ce qu'on va leur faire. Ça le fera alors d'avance à faire des projets pour d'autres choses, d'autres réalisations, plus que ça. Surtout le papa venait de l'exprimer. Consommons camerounais, parce que nous sommes camerounais, et que le directeur, et je dirais même le groupe royal, est en train de nous montrer ici son apport aux camerounais. Pourquoi devrons-nous partir vers les étrangers qui sont, et en même temps là, encourager la fuite de nos devises? Notre papa nous promet, ils multiplieront, n'est-ce pas, leurs activités, afin d'occuper tous les jeunes du Cameroun, et lutter en même temps contre la délinquance juvénile. C'est donc pour dire qu'il invite, n'est-ce pas, tous les reporters, tous les photographes de la ville à venir laver leurs photos dans Photo Royal, qui est, n'est-ce pas, une initiative du groupe Royal, du groupe Njoya. Merci papa, et votre mot de fin. Donc pour cette année de l'an 2000. Vous souhaitez toute chance aussi de réussir, bon, toute sagesse dans vos activités. Vu ce sens des activités, nul ne ferait qu'autre chose qui pourrait retenir un point. Mais partant de là, on est arrivé. Merci papa. Et puisque vous êtes noble papa, sortant des pays du moins de la famille royale, oui. Il vaudrait papa de finir avec moi un mot en patois, n'est-ce pas? Oui. Ou, comme on dit parfois, la tradition. Celui qui perd sa culture ne se connaît plus. Alors papa, pour la bénédiction, n'est-ce pas, de ce laboratoire photo royal, nous voudrons que vous finissiez cette parole avec un mot en patois. Voilà, merci beaucoup. Au groupe Njoya. Bon, un bon joueur. Pourquoi pour me faire un groupe? Il y a la famille royale. Groupe Njoya en Amérique, c'est le fils, après mon frère,
bonjour la mon bon dieu mon dieu a mis bon nom fond de la bon nom pour la bon nom fond Ibrahim et là j'ai Ibrahim bon bon joyeux à y voir ma mère tout le temps ni femme pas de notre monde tout le temps pour être mon dieu pour le lendemain mais pour le reste non pour la y est mon merci. Parole d'un père assuré, parole pour la survie, n'est-ce pas, pour ce laboratoire photo royal que vous allez, ma foi, découvrir. Au nom là, le groupe Joya.